Bonjour à tous les amis, c'est Hammers et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur sport. Alors voici la fameuse évolution du Octalensis. Un très bel animal, n'est-ce pas? Alors le Octalensis, comme vous pouvez le voir, n'a qu'un seul œil. Qu'un seul œil. A des cornes puisqu'il est cocu. A de très grandes oreilles. Et à son très grand avantage, a de très belles testicules. Alors le Octalensis est sorti de l'eau avec son seul pied, parce qu'il est unijambiste. J'essaie de le représenter au mieux dans la vie. C'est vrai que j'essaie au mieux de le représenter comme à quoi il ressemble dans la réalité. Donc là nous avons des haricots. Donc je sais que le Octalen mange beaucoup d'haricots verts. Du coup je pense qu'il va aller les manger, tout simplement. Il va aller les manger. Crache son sperme à la gueule des haricots. Ça les assaisonne à son goût. Je préfère les assaisonner comme ça. Allez hop là, on mange des haricots verts. Allez, mange l'ami, mange. Miam miam miam. Allez hop, et un octalet et un haricot vert de plus de manger. On va aller voir ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Des mains. Ils sont où les autres? Ils sont partis. Oh, les petits salauds. Il est pas content celui-là. Hein. Allez hop, t'es mangé. Oh, ils disparaissent. Il n'y a plus de bétail. Il n'y a plus d'haricots verts. On va essayer d'aller exterminer notre espèce à côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme espèce ici dans le coin? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Des tunks. On va essayer de manger des tunks. Alors vous imaginez que le Octalen arrive quand même à faire une charge avec un seul pied. C'est extrêmement drôle. Moi je trouve que c'est extrêmement drôle. Alors les tanks. C'est pas très passionnant les morsures de morsures, mais bon. Hop, c'est pour vous montrer un peu comment ça se passe. Comment le Octalen a pu s'imposer sur la planète. Ils sont passés où les tanks? Il est pas content lui. N'empêche, le Octalen crache quand même à la gueule de beaucoup de gens hein, du sperme. Les gens l'excitent. Ah, il s'envole. Hop, allez. Qu'est-ce qu'il y a là-bas comme petit bétail? Hop, tiens, on va ramasser ça. Oh, des yeux. On s'en fout d'avoir des yeux. Qu'est-ce que c'est que ça? Des gros globules. Ça ressemble à des grosses limaces, ouais, plutôt. Les pauvres bêtes. On va devoir les tuer. Vous imaginez le nombre d'espèces qui ont disparu à cause du Octalensis sur cette planète. Ça avait l'air d'être des animaux sympathiques en plus. En tout cas, il est extrêmement lent.
Allez tiens, un petit peu de sperme sur la tronche. Allez hop, je dormais un petit peu. Tac. Et bim, allez crève. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, 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 non. Moi je suis désolé monsieur, mais je n'accepte pas ça. Hein. Allez, cassez-vous. Bande de bâtards. Vous avez vu comment le Octalens se passe? Ah non non non, mais reviens pas hein. Mais reviens pas ici hein. Tu vas t'en aller, oui. Moi je refuse. Non non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait pas que je saute comme ça. Oh mon dieu. En plus il se camoufle le bâtard. Ça a des grands coups hein, l'Octalène. Oh regardez, il a qu'un œil sur la tête. Il a des oreilles dans les yeux. Eh, hey, lui apprennent déjà à spermer dès son plus jeune âge. C'est quand même dégueulasse. Oh, on est content, on danse la Macarena. Bon, j'en ai pas fini moi avec ces gros bulles. Ces globules. Ces gros globules. Il va arriver, il va être qu'à moitié mort le pauvre. Voilà. J'ai un cerveau mes amis. Le Octalensis a son cerveau qui grossit. Regardez, ça va lui faire mal au crâne. Ah, vous imaginez si ça poussait vraiment comme ça dans notre tête. Il est content hein. Il est vraiment heureux. On va aller trouver un pote qui voudra bien être notre collègue. Ouais, un copain. Allons tuer des gens ensemble. Alors là, il lance la Macarena. Oh ouais, Macarena. Allez, on y va tous les deux. On va aller buter des je ne sais quoi. Allez. En avant l'ami. Qu'est-ce que c'est que ça? Des rapix. C'est comme des rapaces, mais en rapix. Est-ce qu'on va être gentil avec eux? Je ne crois pas. Nous on est toujours des gens méchants donc. Oh, ils se défendent entre eux maintenant. Oh d'accord. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas mourir? Ma mère, hein. Oui, non, t'inquiète. Allez, mange un petit peu, collègue. Qu'est-ce que tu fais, l'ami? Viens, on va manger d'autres gens. Attends, on va aller voir là-bas. Il y a peut-être des gens à manger encore là-bas. Ah, des scorpos, c'est comme des scorpions mais en peau. On est vraiment des salopards quand même. Comment on défonce les petites bébêtes. Ça revient. Et voilà, une nouvelle espèce qui disparaît. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? Oh, lui, il a pas l'air content, lui, là-bas. Papa Blue.
Oh, il y en a même plusieurs camps. Pas pas deux. Il faut en tuer 4. Mais nous, on n'a pas les moyens d'en tuer 4. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, voilà. Avant d'approcher des eaux même. On devrait peut-être s'en faire des copains. On va aller voir. Non. Regardez-nous, on chante. Hein. Non, ça va pas. Ça vous plaît pas? Ça vous plaît pas de chanter avec nous? Bah vous allez mourir alors. Vous avez pas voulu chanter avec nous, bande de salopards? Bah vous allez mourir, c'est tout. Facile à 2 contre 1, hein. Bah oui. On va te niquer ta mère, moi, mon gars. Ah, ils savent plus quoi faire parce qu'on a détruit le chef. Salobarbe. Bah voilà, on a des nouveaux trucs. Allez, on va essayer de se promener un peu plus. Qu'est-ce que c'est que ces bétails là? On dirait que ça chante des gentillets. On va aller les voir pour chanter peut-être. Allez, venez avec nous. Chantons! Ah, ils sont pas contents. Ouais! Non, vous voulez pas? Ils sont nombreux, hein. On fait quoi? Tue-le! Allez, va manger toi. Et mange là-bas. Ah bon, ici, va. Ah, il est con. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a encore l'autre là-bas. Il est gros aussi. On en tue encore un. Attends, on va tuer le bébé. Allez viens, on va se promener encore un petit peu.
On vient de détruire toute la côte. Ah, eux ils sont en train de faire un truc chelou. En tout cas, eux ils m'aiment pas trop. Hein. Les Horsemen ils m'aiment pas. Oh non, eux ils sont trop forts. Oh putain. Et eux ils ont l'air trop forts aussi. Viens, on s'en va. On va essayer de retourner voir nos copains, nous. Parce que... Oh putain, ouais, 32, ouais, non, ils sont trop puissants. Beaucoup trop puissants pour nous. On va se prendre une grosse branlée si on va les attaquer, donc c'est pas la peine. Là on vient de détruire je ne sais pas combien de dizaines d'espèces. En plus on voulait s'allier avec les gentillets, ils avaient l'air gentils mais... Tant pis. On va aller voir un petit peu les pas de bras. N'empêche que le rugissement c'est quand même vachement utile quand même. T'es sérieux toi, t'attaques direct? T'es un fou quoi. Eh, mange un peu mon pote hein. Parce que mon gars alors là tu vas mourir sinon. Oh bah putain, c'était limite pour toi mon pote. Oh, on va gagner un cerveau. Oh mon dieu. Oh, le cerveau a poussé pour le Octalène. Oui. Oui. Youpi. On va pouvoir agrandir la meute. Et on va pouvoir peut-être se changer un petit peu. Avec toutes les espèces qu'on vient de détruire. Je sais pas où il est mon pote. Ouais il est là-bas. On va... Je vous rappelle que l'Octalène est quand même très attiré par l'appel du sexe. Bonjour Octalène Sista. Ouh. Je fais la danse de la Macarena, c'est la danse du sexe. Hop, et je ponds, et je ponds. Je creuse un trou avec mon seul pied, et je chie. Hop là, ça sera un bébé. Et hop là, vous imaginez votre anus. Il gonfle comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme petite amélioration? Déjà on va virer cette bouche là. Il nous faut quelque chose de plus flippant. Ça c'est très bien ça. Ça c'est bien ça. Hop.
On va lui rajouter des bras au Octalène. Voilà. L'air semble vraiment quelque chose. Alors du coup on va changer sa couleur aussi. Et voilà. Voilà le vrai Octalène. Le véritable. Voici comment le Octalène eut sa touche d'orange si chère à lui, si chère à son cœur, le Octalène, orange et noir, est né. En disant au revoir les amis, oh je suis seul, tout seul en orange et noir. Oh, mon dieu, des bébés Octalène, ils sont nés, oui. Et c'est là que nous rendons compte que les Octalènes sont partis pour vivre leur propre vie. Nous allons nous faire un nouveau pote. Youhouhou ! Et comme ça, nous sommes trois potes. Donc voici toute la famille Octalène, Amurs et Blinkash. Voilà. C'est la famille des copains. C'est les amis. C'est les amis de la chaîne. Tous réunis. Tous prêts à faire la guerre et la baston. Voilà. Dans le prochain épisode, les amis, on va essayer de retrouver notre nid. J'espère que cet épisode vous aura plu. On aura pu découvrir comment le Octalène a eu cette fameuse couleur orange sur son corps. Ce magnifique cou. Son œil globuleux. Et ses magnifiques testicules. Voilà. Allez, on se dit à dans quelques jours pour un des prochains épisodes de je ne sais quoi. Allez, salut !